ses 4 ans de travail et donc on est un peu ému et heureux de vous le présenter aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on vient dans les locaux d'Universal. C'est un très beau documentaire. Franchement top, plein d'images qu'on connaissait pas forcément. Je suis contente de pouvoir voir le documentaire parce que je connais beaucoup sa musique mais pas trop sa vie en fait. Toujours sympa de voir la construction des albums ou la construction des chansons, c'est presque tout aussi intéressant que de les avoir écoutées. Et le gars, il est doué quoi. Non mais vraiment, franchement, non mais il sait tout faire, il sait tout faire. Bonsoir, bonsoir. J'ai bien vu les ressources d'humour et de légèreté que tu as. On ne peut pas dire que ce soit le trait le plus marquant de tes chansons. Non. Alors comment ça se fait? Parce que, je vais te faire une confidence, quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'étais capable d'humour, mais je n'étais pas quelqu'un de très extraverti. Pour être un peu drôle, il faut quand même prendre un peu la parole. Ou... C'est top, il a vraiment des textes incroyables en fait. J'aime particulièrement les textes, la musique et le côté féminin qui ressort dans vos chansons. Et je voudrais savoir comment c'est possible. Alors ça doit pouvoir s'expliquer par le fait que j'ai écrit pour beaucoup beaucoup de jeunes femmes. Et dans la musique que j'écoutais, il y avait beaucoup de femmes. Et particulièrement pour la chanson française, il y avait Françoise Hardy. J'ai participé à un concours sur le site internet France TV et vous, et puis j'ai gagné. Du coup, ça nous a fait une très belle soirée à découvrir à la fois un artiste et puis passer un moment de convivialité avec l'artiste et puis avec d'autres personnes qu'on rencontre et qu'on découvre. Merci d'être venu, merci beaucoup Michel. C'est très intimiste. Ce qui est vraiment chouette surtout, c'est de pouvoir partager justement avec lui et parler musique en fait, parce que c'est ça qui est intéressant quoi. Merci France TV et vous.